C'est un triste jour. Aujourd'hui, 28 août, c'est la reprise. Ah, ça va être très très dur. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez vu les dernières vidéos. Enfin, la dernière vidéo, c'était que des cheat meals. On s'est régalé avec Alex pendant les vacances. Sauf que là, c'est la reprise. Il va falloir faire du sale. Au niveau de la forme physique, c'est dégueulasse. D'accord? Je suis en très très mauvaise forme. J'ai pris du gras. Je me suis pas entraîné pendant plus de 3 semaines. Bref, ça va être une transformation sur plusieurs mois, sur 3 mois. Je vous explique tout ça demain, vraiment pour la reprise, parce que là c'est dimanche soir. Donc qui dit dimanche soir dit encore mon dernier cheat meal, j'ai vraiment essayé de m'écœurer. Donc ça va être McDo avec des gros sandwichs, après en dessert, j'ai du chocolat blanc qui m'attend. Bref, on se voit demain et je vous explique tout ça. Lundi matin, donc un bon petit déjeuner avec, vous avez vu, des graines de chia, des baies de goji, quelques amandes, du miel, mais n'a pas n'importe lequel, le miel de l'Aveyron, deux crêpes, on va dire crêpes pancakes so tasty, d'accord, comme ça pour y aller l'apport protéiné, et ensuite deux gélules, spiruline, ça passe très bien en gélule, au moins on sent pas le goût, et un multivitaminé de X natif. D'ailleurs, vous savez, sur Fitness Boutique, si vous avez besoin, il y a les codes promo AlexPJ10, AlexPJ5, vous avez 10% sur la première commande et 5 sur la deuxième, bref. Ensuite, donc, sur cette transformation, comment ça va se passer? Je vais attaquer lundi prochain. Là, c'est un peu une semaine de reprise, histoire d'aller vomir 2-3 fois à la salle, mais c'est tout. Et à partir de lundi prochain, comme ça, ça vous laisse le temps aussi de rejoindre, tous ceux qui veulent faire avec moi, on va attaquer une transformation sur 3 mois. Donc, de début septembre à début de décembre. Moi, début décembre, je ferai une vidéo, bien sûr, sur ma transformation. Hier, j'ai pris une photo. Je vous la mets là en petit, mais voilà, vous voyez que c'est dégueulasse, donc... Je ne la mets pas trop en avant, mais par contre, je ferai la vidéo transformation début décembre. Donc, je suis à peu près à 88,5 kg. Mais en vrai, hier, quand je me suis pesé, j'avais la caméra dans les mains. Donc, je me suis repesé ce matin en plus à jeun. Je suis plus autour de 87, 87,3, on va dire. Mais j'ai perdu du muscle, donc je suis vraiment très gras. Donc, voilà, pire forme, je pense, depuis des années. Et ça m'a fait du bien d'en profiter. Et là, je suis reboosté au taquet. Bref, donc tous ceux qui veulent rejoindre, vous faites mon train aux mi, donc désolé mesdames, c'est que pour les mecs, mais vous faites le train aux mi en même temps, vous rejoignez si vous n'avez pas fait déjà, il y a le lien dans la description, d'accord, c'est train TWM sur Bodytime. Et donc vous suivez les entraînements, l'alimentation, dedans j'explique que ce soit pour une perte de poids ou pour une prise de masse musculaire, d'accord, je vous explique comment adapter, comment gérer votre alimentation, il n'y a pas de problème, si vous cherchez à perdre du poids, vous avez juste à adapter légèrement l'alimentation, de la même manière si vous cherchez à plus prendre de masse musculaire, que vous êtes moins gras que moi. Et donc, à la fin des 3 mois, vous m'envoyez toutes vos vidéos, d'accord? Et je ferai un... pas un tirage au sort, parce que je choisirai plutôt un gagnant, c'est-à-dire une personne qui a fait la plus belle transformation, et je la publierai sur notre chaîne YouTube, Bodytime. Donc voilà, vous devez faire photo tous les jours. Dès lundi prochain, vous faites votre première photo, ou le dimanche soir si vous préférez. Première photo de départ, et à la fin des 3 mois, pareil, on refait une photo pour montrer la transformation, et vous devez vous filmer à la salle, pendant l'alimentation, voilà, ce genre de choses. Ensuite, bien sûr, tous ceux qui ont envoyé les photos, aussi, vous inquiétez pas, s'il y a d'autres belles transformations, il n'y en a pas un cas qui sera publié, mais les autres, je mettrai dans des vlogs, je montrerai un peu les avant-après, tout ça, de les Instagram des personnes qui ont fait une belle évolution. Bref, moi, c'est parti, petit déjeuner, et après, je file à la salle. Bon, du coup, avant d'aller à la salle, il y a quelques papiers à faire, c'est la reprise, et notamment, vendredi, on est rentré d'Istanbul, ils ont perdu ma valise. Donc, j'ai toujours pas de nouvelles, ça fait 3 jours, donc je dois les appeler, j'espère qu'ils vont la retrouver. J'aurai un petit peu le track, il y a pas mal de matos dedans, mais voilà, dès que j'ai fini tout ça, c'est parti à la salle, promis. J'essaye pas de repousser l'échéance, c'est juste vraiment, je dois faire ça. Fly to Atlanta in the same week. What's the panda to a
a fucking polar bear. A gorilla to a monkey, tiger to a puppy, lion to a kitten, wolf to a pigeon, shark to a fish, a snake to an infant, alligator in a waterway, Jordan Lucas to a dinosaur and pet. They ain't know that I'm Tyrannosaurus Rex. Grab the panda rubber, rip apart his neck. I ain't doing interviews and autographs. I don't like the way you talking, all of that. I should fuck your bitch and never call it back. I go down in history as an artifact, bro. I'm tired of this fucking panda song. I just wanna wrap my fucking hands across. Stab their head and break the fucking panda's jaw. Burn them up and turn the fucking candles on. Choke and beat him, put a couple of hammers on him. Dab on a nigga while I'm standing on him. Kick him, hit him, make him slander wall. Time to a cannon, make him cannonball to the ocean, make him suffer too. Nigga, this is fucking animal abuse. Animal cruelty on the fucking news. I'ma kill the panda till he bloody too. Well, that's a bloody mess, that's a bloody death. Tell them niggas hating on me, suck a dick. I ain't satisfied until I get to smash J-Lo and give her ass a couple kids. I've been on Animal Planet, I got my hands in a phantom. I can't get it, nobody gonna hand me a Grammy. God damn it, I barely don't even wanna hear what they planning. I sit in the pen again and then I blame with the hammer. The man with the planet, you looking at the man in the mirror. The man with the killer, the driller, nigga, shit in the building. I hate with the villains, and really while I handle my business. Again and I get it, I gotta get it, damn it, I did it. I'm out of this commodity, about to be out of the hiding and riding inside of. Voilà, retour à l'appart. J'avoue, c'était super dur. J'ai pas pu tout faire, j'ai même pas fait les abdos, j'avais trop peur de vomir. Donc, dur la reprise. Et en rentrant, j'en ai profité pour faire quelques courses. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc justement par rapport à la transformation. Vous savez, dedans, dans les traîneuses-vie, on donne les quantités, tout ça. Après, il faut vraiment ne pas hésiter à adapter à chacun, d'accord? Moi, je pèse pas chaque jour exactement les quantités, tout ça. Pourquoi? Parce que déjà, c'est impossible d'être précis au gramme près. D'un jour à l'autre, vous ne devez pas manger exactement la même quantité, d'accord? C'est pas si je vous mets 50 que vous en mangez 51 grammes, c'est pas catastrophique. Si vous en mangez 70, là ça commence à faire une grosse différence. Donc voilà, il faut juste que vous preniez les habitudes en fait de se dire bah voilà, 50 grammes de glucides ça représente ça, 100 grammes d'apport protéiné ça représente ça, tout ça. Mais après, n'hésitez pas à adapter à vous. Dedans, j'explique si vous avez besoin de prendre plus de masse musculaire, plus de poids que moi, mangez un peu plus. Si vous, à l'inverse, vous avez un peu plus de gras et vous avez besoin de sécher un peu plus, diminuez un petit peu les quantités, notamment sur les glucides. Mais voilà, n'hésitez pas à adapter un petit peu. Et nous, vraiment, on peut s'adresser à des gens qui veulent garder quand même un lifestyle, un truc comme ça. Quand j'ai fait la vidéo s'entraîner en étant naturel versus dopé, il y en a, ils me disaient, moi je m'entraîne 3 heures par jour que sur les jambes, je suis au top, je me sens bien. Peut-être c'est possible, honnêtement, je l'ai jamais fait, je pourrais le faire. Mais dans ce cas-là, tu fais que ça. C'est-à-dire que tu t'entraînes, tu manges, tu dors et t'as plus de vie sociale. Donc c'est vraiment pas l'objectif, d'accord? C'est impossible de s'entraîner 3 heures. Ou sinon vraiment tu fais rien d'autre de ta journée, ou t'as pas de travail, ou voilà. Nous, le but, c'est de vous faire comprendre que c'est un lifestyle. Vous pouvez vous entraîner une heure et quart, vous pouvez caler ça n'importe comment dans la journée. Le but, c'est que vous gardiez aussi une vie à côté, que vous fassiez plaisir. La même manière sur l'alimentation, je vous dis, on calcule pas au gramme près, parce que 1, c'est impossible de savoir exactement ce qu'on a besoin, et 2, les grandes bases, ça va à 95%, d'accord. Après, les 5 derniers pourcents, c'est vraiment si vous voulez faire de la compète, si vous voulez vraiment atteindre des objectifs différents. Mais là, vous allez voir que la transfo sur 3 mois, à aucun moment je vais être au gramme près à me dire oula, faut que je diminue vraiment précisément. Juste les 2 premiers mois, je vais faire à peu près le même type d'alimentation que je fais d'habitude. Je suis un peu gras, mais vu que je vais reprendre le sport, tout ça, ça va me permettre de sécher. Et le dernier mois, le mois de novembre, on en profitera pour sécher un petit peu plus. Et ça, je l'expliquerai dans le trainings. Bref, je prépare le repas, je prends une petite douche, j'essaye de récupérer et on se voit tout à l'heure. Bon, il fait très chaud à Lyon, c'est horrible. Bref, je reviens d'avoir fait les courses là. Enfin, les courses, non, j'ai juste récupéré des colis. Donc, Fitness Boutique, j'ai pris chocolat, ex-native. Sautesti, j'ai repris un pot. Donc, vous savez, vous avez vu ce matin un petit déj. Et de l'ardeur vanille, voilà, histoire de varier un petit peu. J'aime bien changer de temps en temps. Et ça m'a fait repenser à un truc, je vais poser le trépied parce que ça commence à être un peu lourd. C'est sur les vlogs, je sais pas si vous avez vu Alex et PJ. Si vous avez pas vu, vous allez très très vite aller regarder ça. Hop là, voilà, je pose la caméra. Et donc, là c'est mieux là. Et donc il y en a beaucoup qui disaient, bon, c'est pas top l'exemple que vous donnez, voire c'est pas bien du tout, tout ça, parce que si vous avez vu, bah c'est vrai que on sortait beaucoup, on a fait très peu d'activités sportives, ou en tout cas pas physiques. Et voilà, il y en a qui jugeaient un petit peu par rapport à ça. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex CPJ, pardon, c'est la chaîne qui est pas du tout Muscu Fitness, donc c'est vraiment tout ce qui est à côté. Sur Bodytime, on n'a pas montré ce genre de choses. Et après, bah, vous savez que nous, c'est un lifestyle, c'est complet. La muscu, c'est pas notre vie, on fait pas que ça, on ne mange pas que des petits pois toute la journée et pousser de la fonte. Voilà, on s'entraîne une heure par jour, on mange assez bien, on essaie de compenser. Mais ça s'arrête là, on a plein d'autres choses à côté, on teste plein d'activités, plein de domaines, on a fait des courts-métrages, tout ça. Alex, il a la musique, le rap. Donc voilà, c'est quelque chose de complet. Si ça vous inspire, bah, tant mieux, ça fait plaisir. Après, je suis pas un modèle, je cherche pas à être un modèle, je pense qu'Alex, c'est pareil. Voilà, on est juste là, on fait ce qui nous plaît. Si ça inspire, tant mieux. Si vous appréciez pas une partie, bah, ne faites pas la même chose, il n'y a aucun problème. Après, il ne faut pas toujours voir que le mauvais côté des choses. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un grand fan d'Eminem. J'étais fan d'Eminem parce que j'aimais sa musique.
pas parce que il insultait sa mère ou parce qu'il vendait de la drogue. Voilà, j'enlevais la partie que j'aimais pas et ça n'empêche pas que je le trouvais inspirant. Quand on parle de Zidane, je pense à la Coupe du Monde 98, à le match contre le Brésil 2006 ou le but avec le Real. Je me dis pas c'était une merde, il est pas quelqu'un d'inspirant parce qu'il a mis un coup de tête en finale de 2006. Donc voilà, je trouve savoir faire un petit peu la part des choses. Et puis quand on me dit vous êtes un mauvais exemple pour les jeunes, je pense qu'ils ont quand même assez de mauvais exemples comme ça. Il y a beaucoup de choses bien bien pires. Donc voilà, oui, on aime faire la fête, on va jamais trop loin, on finit jamais dans des états pitoyables, ou en tout cas pas depuis très longtemps. Donc voilà, c'est juste une petite mise au point tranquille entre vous et moi. Bon allez, après avoir taffé sur l'ordi, c'est la soirée, je vais aller chercher Pascal, on va aller faire un petit basket, je vais essayer de faire un basket avec les jambes. J'ai déjà super mal, donc je pense que demain je vais avoir beaucoup de difficultés à marcher. Et je prends le drone avec moi, comme ça je vous fais 2-3 plans aussi. Something wrong, mommy crying, daddy gone, wasn't me, nosebleeds, empty fridge, no groceries, teardrops running down my face, it's just one of those days, if you and me would meet someday, I think the first thing you would say is something like, I've made some mistakes in the past, but something that is cannot change, I try to do the best that I can, to push it all away, but I would do it all again, I would do it all again, yeah, I would do it all again. Flashing lights, don't move hands up to the sky. What should I do? Just run away. The pistol's on me, but it's not mine, I said.